Hello les amis, aujourd'hui on prépare ensemble une vinaigrette magique. Très simple, hyper rapide à préparer et surtout un goût bluffant qui réveille la salade verte en deux coups de cuillère à peau. C'est la vinaigrette de mon ami Zana, André Zanamura, dont je garde précieusement les livres de cuisine dans ma bibliothèque. Le petit secret de cette vinaigrette magique, c'est la sauce soja. Allez, on s'y met. Pour préparer notre vinaigrette, il nous faut quatre ingrédients, à commencer évidemment par la fameuse sauce soja. On en trouve de qualité très correcte dans tous les magasins bio. Il faut également du vinaigre balsamique, de préférence d'indication géographique protégée, du vinaigre de Xérès ou du vinaigre de vin rouge, et une huile végétale. Alors ici, c'est de l'huile d'olive, mais on pourrait la remplacer par exemple par de l'huile de colza. Pour les proportions, elles sont super simples à retenir. Une cuillerée de chaque condiment et le double de cuillerée en huile végétale. Allez, go! Une cuillère à soupe de sauce soja. Une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge. Et le double de cuillerée en huile d'olive. Si vous savez compter, ça fait 6 cuillères à soupe. Vous fermez le bocal, vous shakez. Et vous obtenez votre sauce magique qui a une texture bien émulsionnée, légèrement sirupeuse. Je peux vous garantir que cette vinaigrette, avec une bonne salade verte croquante type romaine ou batavia, c'est l'extase. Il y a ce parfait équilibre entre rondeur et acidité. Il y a ce goût super sapide, très umami, de la sauce soja qui a en plus pour avantage d'apporter la parfaite dose de sel. Pas besoin de sel ajouté. Quand dans un dîner, je sers une salade verte avec cette vinaigrette, tout le monde me dit, mais comment tu fais ta sauce? Ben, je leur réponds, c'est ma vinaigrette magique.